éviter de prendre le taxi là parce que manque 4 conducteurs. Et les sirènes autre tâche, ils se mettraient en route dès qu'ils roulent du camion, on va juger. Je règle mon siège. Volant. Et rétroviseur. La pression elle est bonne, elle est 10 bars. Elle doit être située entre 8 et 10, donc elle a une bonne pression. On peut rouler avec, il faut tout le monde est attaché. Allez, on part pour un parcours 40-45 minutes. Sécurité, vous appliquez les panneaux qui s'appliquent à votre type de véhicule. Vous respectez les autres usagers et vous conduisez de manière sécuritaire pour vous et pour les autres. Vous ne devez pas être surpris ni surprendre les autres. Ça marche ? Ça marche. Quand vous voulez, monsieur. Dans les ronds-points, si je vous dis rien, vous allez tout droit. Comment le son, hein, vous suivez les panneaux. Et si je vous dis rien, c'est que la signalisation est suffisamment claire pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Gauche au bout. Thank you.
tu vas à Marseille ensuite. S'arrêter s'il y a quelqu'un, s'il y a personne, t'as vu, c'est pas avancer là-bas et on revient. Mais allez, franchement. Si on s'arrête, t'as pas le choix, t'es obligé de t'arrêter. Elle est sur le rond-point, t'as pas le choix. Tu vas faire quoi? Tu vas essayer d'y aller quand même? Tu essaies d'y aller, qu'est-ce qui va se passer? Trottoir. Vous arrêterez où vous pouvez.
pour monter sur le trottoir. Très bien, c'est bon, on s'arrête. Vous immobilisez le véhicule et vous repartez dès que possible. En situation, on peut être amené à vous le faire faire. S'il y a des places pour se garer, vous le faire. S'il n'y a pas de place, vous en tiendrez pas rigueur. À la prochaine intersection, nous irons à droite. À gauche, ensuite à gauche. On est pas à l'arrêt. Pourquoi vous tournez le volant à l'arrêt? Vous avez fait des pneus prématurément. Hein. Oui ou non? Okay. Donc on va laisser votre clignotant en informe quand même. C'est bon comme là, ça y est. On fait priorité là. Non, non. Parce qu'elle était loin, j'ai oui. Le tout, c'est de dégager vite pour que tu la gênes pas. C'est ce qu'on a fait. On a dégagé vite. On ira à droite. On est à la direction de Boron. Et donc là, le feu il va passer au rouge. Ouais, et regardez, au lieu de s'arrêter. Alors comment on fait maintenant? Je vois même pas pour reculer. Je fais comment j'attends? Ah bah je sais pas, débrouillez-vous moi. Passe mettre vert quand tu dis là-bas, c'est pas trop bien. Chut. De toute façon en face, vous roulez, je verrai bien. Débrouillez-vous. Pourquoi t'es pas arrêté avant le feu? T'as vu, voilà, j'ai même pas vu plus, j'avais regardé directement. Tu vois qu'il y a une semi là-bas en face, ouais. Le temps qu'elle y aille. Ça sert à rien. Ouais. Vous Donc là, il est à l'arrêt, il n'a plus aucun moyen de voir si le feu il passe au vert ou au rouge. Donc il a dépassé le feu. Thank you.
commence à rêver autour de toi. Allez, on informe. La direction de la 43. Et ensuite, en autonomie, on suivra la route Grenoble-Chambéry. Grenoble-Chambéry par autoroute. Non, je vois rien, j'ai plein de mon rétro. Désolé, monsieur. Non, je suis sorti. Correctement.
Donc là, très important, on va se faire doubler par la droite, vous allez voir, par un camion. Avant d'y aller, il faut contrôler le porte-à-faux. Il faut contrôler bien avant d'y aller. Là, il doit contrôler son porte-à-faux. Avant d'y aller, contrôler les réactifs. Ça marche ? Il y a autour de vous, je crois que vous êtes dépassé à ce moment-là. Ça roule ? Allez, Paris, Paris maintenant, Paris. On sortira ici Grenoble-Chambéry. Allez, informé. Grenoble-Chambéry, vous venez ? Ouais. Avec un clignotant quand même pour dire que vous sortez. Pourquoi ? Il y a un camion qui est derrière vous. S'il voit une voie d'insertion, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se décaler à gauche pour vous laisser la place. Par contre, si vous lui mettez le clignotant, il sait que vous sortez.
Grenoble, Chambéry. Okay. Dans le rond-point, ouais. S'il n'y va pas, il va rester une heure. Il a attendu, il a patienté, le moment il vient pas, là c'est l'heure de pointe. Ah ouais. Et en vrai, c'est en. Vous laissez les plages sur la gauche. Non, comment ça sur la gauche? Les voitures qui ne lèvent pas là? Ils lèvent pas ou qui arrivent à face? Non, en face. Et là, une deuxième fois, vous avez vu le feu, il est vert, il le passe à l'accélération. Hop, il passe au rouge, il aurait dû avoir le pied devant le frein pour pouvoir s'arrêter. Donc là, il se fait journée. J'attends que vous agissez là, monsieur. Hein. Ça fait une heure qu'on va se mettre à gauche, là. Ça fait une heure qu'on va se mettre à gauche. Une heure que je le vois. Le feu, je l'ai oublié déjà depuis longtemps. Tu m'as fait une Abdel Krim tout de suite, là. Oui, mais pour le feu, c'est bon. Sauf que tu vois que c'est pas bon. Tu passes l'accélération tout le long. Aucun moment, on met le pied devant le frein pour s'apprêter à ce qu'il passe à l'orange. Serre à gauche, c'est trop à droite, là. Serre à gauche. On sent. Le feu. On va en parler après. On met plus de ventre. On regarde derrière. On accélère là, on n'en change plus d'avis. On change plus d'avis. Dans un feu, il est vert depuis un moment. On met le pied devant le frein. J'ai regardé, hein. Je t'ai entendu arrêter d'accélérer, mais à aucun moment ton pied était devant le frein. Il saurait éviter ce qui s'est passé tout à l'heure. Freiner, se retrouver après le feu. Ça roule? Mais le camion blanc, je t'attends depuis une heure. Hein. Le camion blanc qui faisait marche arrière là-bas, là. Non. Il était
t'es arrêté. Mais t'es arrêté. Il est arrêté, il était sur notre voie. Et hop là, un trottoir. Voilà comment on fait un camion. On se décale tout de suite. On laisse pas l'opportunité que tu puisses bien renouveler. Pourquoi on se remet sur la voie? Tu sais quand est-ce que j'ai vu que c'est les trois à droite? Quand on arrivait au feu Grenoble-Chambéry. Le feu Grenoble-Chambéry. Le feu, le rond-point Grenoble-Chambéry, je te dis. Tu vois l'interdiction. Tu mets ton clignotant à gauche. Et on rentre dans le rond-point, on rentre dans le rond-point. Je te vois pas élargir. Je te vois pas élargir, je te vois pas élargir. Parce qu'il y avait du monde. Ça. Et alors? On a une semi dans les mains, nous. Faut leur montrer aux gens qu'on a besoin de place. Même s'il y a du monde, faut imposer ton gabarit. J'arrive dans un rond-point, moi je conduis pas une voiture. Tous ceux qui sont derrière là, comment tu leur montres que t'as besoin de place? En te serrant sur leur voie, tu te serres un peu. À la ligne blanche au moins. Au moins à la ligne blanche. Et là tu leur dis à eux, tu leur envoies une information importante. Ah mince, c'est un camion devant moi, il va élargir. Si tu restes sur ta voie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont foutus de toi. Hein. Oh, vite, faut que je le dégage, lui. C'est important de se serrer à gauche dans les ronds-points. Même s'il y a deux voies, c'est important de leur montrer aux autres que toi, t'as un gabarit dans les mains. Eux, ils s'en foutent, hein. Eux, fin d'une journée, allez, je rentre chez moi, là. Il est 18h, je vais rentrer chez moi, je vais me dépêcher. Il y a deux voies. Gauche. Mais justement, quand il y a deux voies, serrez-vous à gauche au maximum. Venez leur montrer que vous avez besoin de place. Vous avez de la gauche. Excuse-moi, c'est pas grave, Donc ce sera ici, hein, ok? Ici. Moi, je serai vous, je me garerai là-bas, à partir de là, là, ici, là. Traverser la rue. Et ici, là, le long, il se garera là, non, je sais pas où, là ou là. Surtout que là, t'as vu le rond-point, là, c'est le dernier rond-point. Centre d'examen, regarde. C'est pas ici qu'il faut se faire la journée. Non. Hein? Mais on l'était avant, et je t'expliquerai pourquoi. Oui, il faut le laisser. Ah non, pas besoin. Là. Il y a eu plein de temps qu'on arrive. Bigarman. On sera déjà plus là, nous. Hein. Donc on va tout à gauche. Demi-tour, hein. Non, tout à gauche. Pas cette sortie-là, celle d'après. Attends, il y a combien de temps? Ah non, on va demi-tour, excuse-moi. L'essentiel, c'est que vous compreniez ce que vous avez fait, les bêtises que vous avez fait. Vous ne les reproduisez pas demain. Tout ira bien. C'est à l'arrêt. Je me sers à gauche au maximum. Je sais pas comment encore c'est fait. Comment c'est fait l'entrée du giratoire. Il y a deux voies de circulation. Je me sers à gauche. Ça veut pas dire que je me mets dans leur voie. Ça veut dire que je leur envoie une information déjà. Je m'impose. Il y en a toujours un qui est. Non, j'ai pas envie. C'est ma voie, j'y vais. Il y a toujours un ou deux comme ça. C'est dégagé. Et c'est pas grave. Attendez. Puis après, vous élargissez et vous verrez. Hein. Il y a toujours quelqu'un de gentil, quelqu'un qui vous le prend, que vous avez besoin de place et qui vous laisse y aller. Allez, 80, on roule.
moi je dirais toi, on prendra la première sortie. Serre à gauche là. Envoie-leur une information. Serre à gauche de ta voix. Ah, tu t'entends bien? Est-ce que tu as un dispositif de. Réfléchissons. Non, non, un dispositif sur ton permis de correction auditive. Non, pas besoin. Tu peux dire, bien sûr. Un certificat médical de ça? Un certificat de ça ou quoi? Pas sûrement, mais. Sur mon dernier. Oh, tu le travail là, ce que tu fais. Vous l'avez, oui. Je sais pas. Elle est trop. Sur ma visite médicale, le travail. Non, mais un truc qui dit que. Ouais, sur ta visite médicale, par exemple. Qui va à gauche. Minutes, 41 minutes. Vous avez tous fait 40 minutes à peu près. Alors que c'est la police. Le feu, bordel, le feu. Le premier. Ça va à deux à l'heure. Il y a un camion, il a besoin de temps pour dégager. Arrête-toi avant le feu. C'est l'après, bah, tu vois, tu t'arrêtes en plein milieu. On n'a plus aucun moyen de voir le feu et de quelle couleur. Donc là, c'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait ensuite? Le rond-point, le trottoir. Le rond-point, le trottoir. Du centre d'examen, là. Ouais. Le feu, et le feu d'après, là, non, le feu. Le feu. Le deuxième feu. Deuxième feu. Tu te fais avoir un feu, donc moi je vais faire quoi? Je vais être attentif à tous tes feux. Qu'est-ce qui se passe deux feux plus loin? On fait la même chose. Ouais. Après, sauf que, après, il y a encore une situation compliquée. Moi je vois un camion, il est à l'arrêt, il est sur notre voie. J'exagère. Il empiète sur la voie. Je me dis, quand c'est qu'il va se décaler? Quand c'est qu'il va se décaler? Quand c'est qu'il va se décaler? Je boue! Toi, t'es encore en train de réfléchir au feu. Je vois le camion arriver,
Et puis on arrive, on fait comme une voiture. Oh, tiens, il y a quelqu'un, je dois me décaler. C'est pas comme ça qu'on fait en semi-air. C'est le rond-point d'après où il monte le trottoir. Il y a un camion qui est serré sur la droite. C'est comme ça qu'on fait en semi-air. C'est tout de suite, je vois le camion, paf, je regarde, personne me dé... je me déborde tout de suite à gauche, j'attends pas d'arriver devant le fait accompli. J'essaie de mettre 16,50 m à passer. Quand j'arrive à hauteur du véhicule que je croise, il faut que mon ensemble il soit bien droit, posé, j'ai plus rien à faire. Si j'attends, je dois contrôler mon porte-à-faux, je dois contrôler ma semi-là, le temps qu'elle se réaligne droit et tout, je suis en retard. Ça roule. Et puis le rond-point, bah, il monte sur le trottoir. Ça marche. Faites pas ça demain, vous avez votre permis. On a largement les capacités à aller chercher, les gars. Largement. Allez, maintenant, je vous montre ce qu'il faut pas faire. Ils sont cuits, les pauvres. Ils ont travaillé ce matin, les deux derrière, là. Ah, moi, je suis dans les vapes. Dans les vapes, pareil, vous travaillez ce matin? J'ai enseigné la semaine, 3h du matin. Ah, t'as mangé, bah oui, j'ai fait. Ça va, tout va bien? Tout va bien, t'as Non, t'as fait en vacances. On reprend lundi. Lundi, tu reprends? Ah, oui. Donc là, vous avez vu, hein? Qu'est-ce que je vais me refaire? Je vais me remettre sur ma voie. Je ne me remets pas sur ma voie. Il y a un mec qui déborde là. Hop. Là, je vais me serrer un peu à gauche, je veux pas que tu me mettes à droite. Vous le mettez ou pas, c'est pas grave, c'est pas ça. C'est quand je le croise, Youssef. Je regarde à droite quand je le croise. T'as tendance à l'oublier, toi. Hein. Et puis là, je ralentis. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Personne. Je monte jusqu'à la moitié de la chaussée, là, et je redescends. Hop. Je me dépêche. Priorité à droite, personne. Avant d'y aller, porte à faux à droite. N'est-ce pas, hein? Quand je te fais, quand on prend Grenoble-Chambéry par l'autoroute là, je te fais porte à faux pour le doubler, t'as vu? Pour pas le louper là, c'est important. Hein. Ah, c'est encore lui? Il était là tout à l'heure, lui? Ah, c'était pas lui. Il y avait un Mercedes aussi, je crois. Combien de téléphones dans Paris, il faut lever le pied. Ah, faut lever le pied. Ici, je vais croiser quelqu'un. Je vais manger un peu chez eux, mon tablier va manger. Il est loin, je me dépêche et je reviens vite. Regardez, mon tablier. Regarde. C'est bon, quand je passe à sa hauteur, il n'y a plus de danger. Parce que je me suis dépêché d'y aller. Par contre, il aurait été 10 mètres vers moi. Bah, je m'arrête, je vais laisser aller. Après, j'y vais. Viens ici. Et t'as pas besoin de réallergir une deuxième fois comme tu l'as fait pareil. Tu l'as bien pris, hein. Tu vois, plus tu montes haut, moins t'as besoin de l'espace. Je fais quoi? La voie elle est à moi, hein. Je me sers à gauche au maximum. Faut que je sois loin des trottoirs, moi, hein. Coûte que coûte. Hein. Lui il tourne, ça se voit, il a sorti le temps en plus. Au maximum. Si je suis écarté là-bas, le trottoir, j'ai même pas à m'en inquiéter. La semi qui est garée, contrôle clignotant. J'espère personne ne me doubler là.
comme le feu tout à l'heure, c'est illuminatoire ça. Il faut chier, toi. Ils prennent pas encore. Ah, ils me font des cauchemars avec les feux. Ouais, ouais, ouais. Tu sais pas quoi, il va s'allumer. Allez, t'es le goût de ton, tu vas le faire rouge. Voilà. Ouais, je vais aller doucement, hein. Non mmh. On va rouler vite vers les feux, j'ai le droit, non. Tu ralentis un petit peu, tu ralentis. Je ralentis, mais je ralentis. Hein. Ah bah, c'est pas tu ralentis à 20, ouais. Non, tu ralentis logiquement. Bah, si t'es à 30, à côté, tu vas freiner, ça va être serré. Non, ça le... Au moins, tu mets ton pied devant le frein déjà. Tu mets ton pied devant le frein. Quand t'es à 15 mètres du feu, tu peux plus t'arrêter. T'accélères, tu changes plus d'avis. T'accélères, tu changes plus d'avis. Bah, tout à l'heure, on était presque. Quand? Quand j'ai dépassé, on était à côté. Hein. Non, le là, premier, c'est... non, le premier, non. Le premier, il est pour toi, cherche pas. Ouais, mais le deuxième. On était à côté. Hein. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que t'as pas mis ton pied devant le frein. D'accord. T'aurais mis ton pied devant le frein, comme ça, arrêté d'accélérer, et ben, je t'aurais laissé. C'est pas grave, vas-y. Je t'aurais pas ajourné pour ça. Tu vas se le dire ou pas? Faut que suive la procédure. Il y a une procédure à suivre. Il y a une procédure à suivre, il faut la suivre. Des clubs. Hop. Voilà, messieurs.